a bien évidemment toute une partie qui va tourner autour des mobilités actives et des micro-mobilités, le vélo, les trottinettes, etc., qui sont évidemment une partie importante aujourd'hui de la problématique. Tout ce qui va tourner autour de la mobilité partagée, on en a parlé, puisque la solution, elle ne se trouve pas... Une mobilité qui en remplace une autre, on va plutôt se situer dans une collaboration, dans une multimodalité. Et donc la mobilité partagée, c'est bien évidemment le car sharing, toutes ces nouvelles solutions, mais c'est surtout aussi la manière dont elle s'intègre dans le dispositif actuel. Comment est-ce que le car sharing ou le free floating va à un moment donné pouvoir supplanter à certains horaires le manque de transport en commun, ce genre de choses. Beaucoup de villes réfléchissent à ça avec les entreprises. Après, vous allez avoir tout ce qui va tourner autour de la mobilité en entreprise. Donc, comment j'intègre ces nouvelles mobilités dans mon entreprise en tant que gestionnaire de flotte, en tant que responsable des ressources humaines ou de RSE. Toute une partie qui est un peu trait à la mobilité d'entreprise aussi, qui est la logistique du dernier kilomètre. Vous avez un phénomène très important qui est d'un côté l'explosion du commerce en ligne qui demande de la livraison, de l'autre côté des centres-villes qui sont de moins en moins accessibles aux voitures traditionnelles. Comment est-ce que je gère ce hiatus-là? C'est du vélo cargo, c'est un ensemble de solutions qui existent. Ensuite, nous allons avoir tout ce qui va tourner autour de mobilité as a services, mobilité as a service, avec le paiement, le ticketing, tout ce qui va permettre de gérer des plateformes où un individu, à un moment donné, ne se pose pas la question de comment je vais. Sa problématique, c'est que je dois aller d'un point A à un point B dans un temps donné. Et la mobilité as a service va justement permettre de créer des plateformes qui vont lui donner ce trajet-là. Et lui permettre avec un seul et même ticket, par exemple, d'aller d'un point A à un point B. Et donc, derrière cette idée simple, il y a des notions derrière de services et de logiciels qui sont extrêmement complexes. Et on a beaucoup d'acteurs sur le sujet. C'est un des secteurs où il y a beaucoup d'innovation aujourd'hui. Vous avez ensuite tout ce qui va tourner autour de l'infrastructure digitale et physique. C'est comment est-ce que ces nouvelles mobilités s'intègrent dans la Smart City. Donc, c'est les infrastructures de recharge, mais c'est aussi tout ce qui tourne autour des capteurs, etc., pour avoir une bonne maîtrise et une bonne gestion, une bonne intégration de ces différentes mobilités en milieu urbain et périurbain.